Hey, salut à tous les mods et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on a reçu un colis. Alors cette vidéo, elle va être super parce que, pour une fois, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le colis. C'est-à-dire qu'on a reçu le colis de chez Geek ou Pop. Je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente hein, où je vous parlais de tous les magasins. On va ouvrir ça, on va voir comment ça se passe. J'ai un petit code promo aussi que je vous mets en description et que je vous mets juste ici avant de commencer. Et puis on va un petit peu parler de la boutique parce que c'est français et parce qu'il faut les aider, parce que c'est trop cool, parce que voilà, c'est tout, j'ai que ça à dire moi. Alors Geek ou Pop, c'est un site français qui a ouvert il y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Il a été ouvert par Marine, Mademoiselle Geek, et il est spécialisé dans les ventes de Funko Pop, de figurines, il y a même des jeux de société, des Monopoly un peu geek, tout ça, vous avez de tout. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les Funko Pop, parce que vous le savez, on est fans de Funko Pop. Et bien Marine, Mademoiselle Geek, pardon, excusez-moi, elle nous a envoyé un colis mystère. On a donné un peu nos préférences dans les pop, j'aime bien cette série, j'aime bien ça... Et on va voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, le carton est très gros, je vais vous le montrer, il est lourd. Marine, elle a monté ce magasin parce que c'est avant tout une passionnée, une geek comme nous tous. Et comme elle était collectionneuse, elle s'est dit, bah, écoute, pourquoi pas monter mon petit magasin, hein? Bah, c'est une très bonne idée. La page Facebook Geek ou Pop, je vous la mets en description. C'est un groupe où il y a beaucoup de collectionneurs qui partagent et échangent sur leur collection, sur le côté geek. Geek ou Pop, ils peuvent envoyer les colis en France, dans toute l'Europe et en Suisse. Tous les mois, il y a des mini-jeux sur Facebook, Twitter et Instagram, donc suivez bien ces trois comptes, je vous les mets aussi en description. Et vu le carton, leur force, c'est sûr et certain, c'est l'emballage. Parce que l'emballage, il est top. Alors le colis, le voilà, il est gros, hein, je vous mens pas. Je sais pas combien il y a de choses là-dedans, mais... Alors déjà, bim, petite carte Geek ou Pop, je vous le mets devant les yeux. C'est un petit mot derrière, je vais le lire. Voilà, comme ça, vous avez tous les réseaux de Geek ou Pop, vous avez le logo pour le retrouver plus facilement, et le site internet. Bonne réception à la famille Mudzi. Ben oui, la famille, parce qu'il y a Jess, il y a moi, et il y a Simon, le petit chat, évidemment. Ensuite, ben on ment pas, c'est super bien emballé, il y a des gros sachets de bulles, il y a du papier bulle, il y a de tout. Franchement, je pense que là, il n'y a pas de souci. Allez, on enlève tout. Quand je vous dis que c'est bien emballé, c'est bien emballé. Et on a... Oh, mais c'est trop bien! C'est un décapsuleur, les gars! Un décapsuleur, parce que moi, je bois beaucoup de choses qui se décapsulent. C'est trop cool, regardez! Voilà le décapsuleur à effigie de Geek ou Pop. Donc ça, c'est très cool, déjà. Petit cadeau bonus, là. Donc c'est vraiment un décapsuleur, les gars. Donc ça, ça peut servir. Là, tu te la mets dans la poche et hop, paf! Ça décapsule. Je sens à la main... Une, deux... Oh! Il y a trois pop. Et il y a une grosse pop dans les trois. Là, je... Voilà. J'ai senti ça. Allez, on va... Prendre la première, très bien emballée, regardez, hein, papier bulle. Oh, mais oui, c'est trop cool ça, Jess, elle va être trop contente. Vous savez comment on est fan de l'univers de Tim Burton avec Jess, et on est fan aussi de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et en parlant de Noël, bah, il nous fallait le Monsieur Jack comme ça. Jack Skellington en Père Noël. Allez, on va la montrer de plus près, c'est beaucoup mieux pour vous. Et voici la boîte de plus près. Dans la collection, tu peux avoir tout ça, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de choix dans cette collecte. Et le voici, le Jack Skellington en Père Noël. Il est juste magnifique. Il est magnifique. Avec les yeux creux, on l'avait dit. Les yeux creux, c'est quand c'est un petit squelette. Il est juste trop trop bien fait avec le petit cadeau dans la main. Franchement, c'est top. Il est top. Aucun défaut de peinture. Il est vraiment très beau. Première pop. Super. Ensuite, les gars, ben, je vais garder la grosse pop pour la fin. Parce que de toute façon, la grosse pop, ben, ça va être le truc de ouf dans cette box, à mon avis. Dans ce colis. Ouais, ouais. Je vais la garder pour la fin. Je vais prendre la petite. Allez, c'est parti. Et la pop numéro 2, c'est... Non ! Non, mais non ! Mais regarde ça, quoi ! Mais non ! Je fais une petite danse de la joie, les gars, et puis on se retrouve, hein, d'accord ? Je la filme parce que la danse sera pourrie de toute façon, mais c'est top, c'est top ! Alors les gars, je pense que vous savez pas ce qui vient de se passer. Ça fait quasiment 2 ans que je veux avoir une pop de Bruce Lee. Les pop de Bruce Lee, elles commencent à être très rares, très très rares franchement. Il y a, ben, je pense que c'est sur la boîte, donc on verra la collection qu'il y a derrière. Ils ont ressorti les Bruce Lee en gold récemment. Donc c'est les mêmes poses que les premiers Bruce Lee, mais en gold. Donc je voulais me rattraper là-dessus, puis je les ai pas trouvés non plus. Donc je me suis dit, putain, mais Bruce Lee, jamais, jamais je l'aurai. Et... Putain, c'est trop cool. Ah, waouh. Nous avons donc Bruce Lee
avec le pantalon blanc. Et le pantalon blanc, ben, c'est une exclusive parce que normalement, la première pose de Bruce Lee, c'est avec le pantalon noir. Et là, c'est pantalon blanc, ça tue. Ça tue quoi, putain, celle-là je vous fais le tour direct. Donc on a la pop de Bruce Lee devant. Putain, je suis, mais... Allez, sur le côté, moi je vous fais le complet là. Et derrière, vous le voyez, pantalon noir. Donc, ben, le pantalon noir, on s'en fout hein, de pas le trouver, puisqu'on a le blanc, donc c'est encore mieux. On a le Nunjaku là, ici, qui est... Celui-là, je le veux, franchement, je le veux vraiment. Mais je crois que sur Geek ou Pop, peut-être qu'ils l'auront, alors on verra, hein, on verra. Et ils ont celui-là aussi, bon, celui-là, ouais, ok, ok, on verra. Mais... mais putain, mais waouh, 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 je suis trop content. Alors celle-là, on la déboxe, les mecs, et juste après, je la mets en protector case, direct. Et la voici, cette pop de Bruce Lee avec le pantalon blanc exclusive. Regardez, il a les marques du combat sur le corps. Franchement, c'est peut-être rien pour vous, cette pop, mais moi, celle-là, je la cherchais depuis énormément de temps. Je cherchais à tout prix un Bruce Lee, et je suis trop heureux, putain de merde. Pardon, mais je suis trop content. Regardez, regardez ça, il est trop beau. Il est trop beau, quoi. Il est trop beau. Voilà, c'est tout. Si tu veux, je te dis quoi d'autre. Mais je peux pas dire autre chose. C'est vraiment une pop que je rêvais d'avoir dans la collection. Et voici la grosse pop. J'ai pas regardé encore. Je vous regarde dans les yeux. C'est parti, on déballe. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, d'accord. Voilà. Voilà, voilà. C'est putain, wow. Jess, elle va être ultra heureuse parce que, bah écoute, on fait la collection d'Harry Potter, tu le sais, hein, Hagrid, en taille big size. Avec le gâteau, c'est exactement le Hagrid qu'elle voulait parce qu'il y a deux Hagrid qui existent. Et là, t'as le Hagrid avec le gâteau, donc c'est ouf les gars, c'est ouf ce qui se passe. Je vous rappelle le magasin Geek ou Pop les gars, vous l'avez en description. Ça tue, merci Mademoiselle Geek, merci beaucoup. Ah oui, pardon, dans la petite collection, vous avez tout ça. Alors, Hagrid, il est juste magnifique. Il est massif, putain, il pèse tellement lourd. Regardez, ce Hagrid là, il est juste... immense, il est magnifique. Et là, ça fait vraiment comme dans le film, quoi. C'est top de l'avoir fait à cette taille-là. C'est une tuerie. Je me remets toujours pas de mon Bruce Lee, donc laissez-moi savourer. Et puis, putain, elle est ouf. Regardez, regardez ça, quoi. Il y a tout, il y a le petit gâteau, la tenue, la barbe bien travaillée, les cheveux. Putain, mais les pieds sont gigantesques, les mains sont gigantesques. Elle est top, elle est top. La vidéo est terminée. Mais il fallait mieux qu'elle soit terminée parce que j'allais tomber dans un coma profond là. Merci à Geek ou Pop. Je vous mets le lien en description et le logo juste ici parce que comme ça tu repères un peu visuellement, c'est plus facile. Franchement, si vous voulez aller faire un petit achat sur Geek ou Pop, vous avez le code promo, je vous laisse faire. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre le gros like de soutien, le petit commentaire qui fait plaisir pour me dire la pop que tu as préférée. Et écoute, moi je te laisse pour ce samedi. J'espère que ton samedi se passe très bien. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, mon petit mode, salut, t'es le meilleur. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Allez, salut !